Bonjour à tous et à toutes, et là on va s'attaquer à un hunter qui est un peu spécial, c'est pour le masque camo. Donc les hunters, sachez que si je ne les réussis pas, je les ferai dans d'autres vidéos, je vous les mettrai en bonus, je vous les mettrai autrement. Je vais vous montrer la phase de spawn du hunter, et vous verrez la difficulté du combat, sachant que je ne suis pas avec un stuff méga opti, je suis avec un stuff potable, qui me permet de farmer gentiment, de m'amuser. Je n'ai pas... Là, je vais juste faire une parenthèse rapide. Ma philosophie du jeu vidéo, c'est pas mourir en boucle et passer 8 heures pour revenir sur le lieu de ma mort. Moi, ma philosophie pour le jeu vidéo, c'est de m'amuser. C'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est pour essayer de m'amuser avec vous. Voilà, pour faire un petit truc. Si, là, je vais être sincère aussi sur autre chose. Si j'avais eu la connexion, j'aurais fait une chaîne Twitch hein, aussi, clairement. Et le jour où j'ai la connexion Internet, on part sur Twitch. Ça, c'est d'office. Mais il faut la connexion et je l'ai pas encore. Et là, c'est pas gagné. Donc n'oubliez pas d'ailleurs de prendre bien soin de vous, par les temps qui courent. Oui, parce que je tourne, on est le 23 mars 2020, en pleine épidémie, pandémie, ce que vous voulez. Donc prenez soin de vous, très important. Et respectez bien les règles qu'on vous donne, etc. Parce que même si ça paraît chiant, c'est pour votre bien. Même si avec les politiciens, c'est vrai qu'on peut se poser des questions, mais sincèrement, c'est pour votre bien. Après, il y a aussi un truc, c'est que dans cette période agitée, il y a aussi des trucs un peu cons qui se passent dans l'actu. Parce qu'on était habitué avec les Darwin Awards. Les Darwin Awards, c'est en gros, si vous ne les connaissez pas, c'est un prix qui est remis à titre posthume. C'est un prix donc qui est remis à titre posthume pour les mecs qui sont morts de manière débile. Qui sont morts, qui sont castrés de manière débile, sans être alcoolisés, et en sans laisser de descendance. C'est un vrai prix, hein, c'est un vrai prix. Donc si dans votre famille vous avez un mec qui est mort, si vous avez par exemple un vendeur de fenêtres qui a voulu montrer à des étudiants la solidité de ses fenêtres et qui s'est jeté 3 fois sur la fenêtre. Alors qu'il était au 100e étage et que la 3e fois la fenêtre ben, elle est tombée. Ouais, effectivement, je suis désolé pour vous, mais là c'est une mort con. C'est un vrai Darwin Award, en fait, c'est un vendeur de fenêtres au Québec. Son truc à lui, c'était de présenter son produit. Mais il était très investi quand il parlait de son produit. Tellement investi qu'il en est mort. Parce qu'il a voulu montrer à des étudiants qui étaient présents au 100e étage que ses fenêtres étaient solides. Les fenêtres étaient solides, mais pas le montant des fenêtres. Là, le montant des fenêtres, il n'y a pas des masses solides. Parce qu'au bout de 3 fois, ben, le montant, il n'a pas résisté. Et ben, il est tombé avec le montant. 100 étages pour se dire, et merde, je vends. Enfin, pour se dire, je vends de la merde, ça fait long. Donc là, oui, pour le masque camo, parce que je fais quand même cette vidéo tout à l'heure. Hein. Ah, merde. Dégage le test. Non. Mais. Merci. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là, il faut rentrer dans le siège de l'administration spatiale. C'est à Washington. Entrer dans le bâtiment à l'est au début. Dans le quartier de Southwest. Et derrière le comptoir, utiliser l'écran. Tactile. Ok. Sauf que pour entrer dans. Malheureusement, pour rentrer dans le bâtiment à l'est, hein, ben, il faut. Oui, parce que nord là-bas, est là. Donc faut avancer. Mettez-vous en normal, vous faites pas chier. Normal, ça marche très bien. Sert à rien de monter la difficulté là pour faire une seule ennemie. Ça sert à rien. Et donc oui, ce que je disais aussi tout à l'heure pour la difficulté dans les jeux vidéo, c'est que j'aime pas les Die and Retry, donc je mettrai pas le jeu en héroïque. Clairement, j'ai pas d'intérêt. Moi, je suis là pour m'amuser et c'est tout en fait. Ouais, et je reviens aussi sur mon actu débile, y en a eu quelques-uns. Il y a un mec qui l'a acheté, il a voulu acheter, je crois, plus de 200 tablettes de beurre. Je veux bien, époque d'épidémie, etc., il faut limiter les déplacements. Mais qu'est-ce que tu vas foutre avec 200 tablettes de beurre alors qu'il n'y a pas de pénurie annoncée? Oui, parce que quand il y a une pénurie, on est quand même un peu au courant. C'est pas dans l'intérêt des forces occultes, des gouvernements aux forces et des forces occultes etc. qui dirigent ce monde de cacher une pénurie de beurre. On va être sincère. Est-ce que je suis rentré au bon endroit au moins? Parce que je suis un peu débilus, je suis en train de raconter n'importe quoi. Ok, je suis juste débilus, excusez-moi, on reprend de zéro, là 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 là, oubliez ce que j'ai dit, il faut pas rentrer là.
vous mettrai le timing, le temps en description. Regardez dans la description, vous verrez les timers. Pour éviter mes conneries non-stop, faut pas lancer la mission en fait, c'est une connerie. Oui, parce que j'ai lu administration spatiale, bâtiment à l'est. Parce que oui, je ne vais pas décoder les trucs, je suis une brêle finie en code. Moi je t'ai persuadé, il fallait rentrer dans le bâtiment là-bas, je peux chercher plus loin. Hein. Donc j'ai lu Super Solus. Ah oui, je cherche pas plus loin. Hein. Merde, mais il est où le baby? Il est où le bignou? Eh. Ok, donc là on est au siège de l'administration du machin. Par ici. Merde, c'est pas où? Ce GPS est complètement niqué. On est d'accord. Je dois aller là-bas. Je vois le point. Il est en face de moi. Alors il me fait faire le tour de Bayou. Débilus. Donc, ouais, par ici. Par ici, par ici, par ici. On avance, on avance. Faut que je vois la gueule de la porte en fait. C'est ça? Pas ça. Non, pas ça. Entrée donc dans le bâtiment au début de la mission du ciel. Hein. Je crois que c'est ça. Je dis peut-être une connerie, mais je crois que c'est là. Ça a l'air d'être là. Utiliser l'écran tactile, c'est ça. Derrière le comptoir. Ok. Après, normalement, il faut attendre la nuit. Mais des fois, j'ai eu plusieurs cas sur les Hunters où justement l'attente de la nuit n'était pas obligatoire. Si c'est obligatoire, bah, je suis niqué. Bah, on va faire d'autres Hunters. Donc là, il faut se diriger vers le dragon rouge. C'est lequel? Dragon rouge. Et merde. Donc on va faire le dragon rouge. Je coupe pas, j'ai pas envie de couper les vidéos maintenant. Je suis torturé par mes allergies, c'est rien. C'est-à-dire que je suis débilus aussi un petit peu, puisque dans mon bureau que j'utilise, hein, c'est un peu un bureau multifonction, le bureau chambre, c'est plus pratique, il faut bien stocker les trucs dans une même pièce. Donc voilà. Et ben j'ai mis il y a de la moquette au sol, j'ai pas eu envie de l'enlever. Je suis allergique à la poussière. Moquette égale poussière. Et j'ai beau passer mon aspirateur. Oui, parce que j'ai craqué pour mon boulot, j'ai pris un aspirateur robot, je l'appelle Nono. Donc si un jour vous m'entendez parler de Nono en vidéo, c'est rien, c'est mon aspirateur robot. Et même si je passe ça tout le temps, en fait, ça sert pas. C'est un peu compliqué, à vrai dire. Parce que là, je me suis fait une installation propre. En fait, à vrai dire, je suis plutôt content de mon installation. Puisque là, pour le record, j'ai mon PC portable qui est légèrement à ma gauche. Vous le voyez pas parce que j'ai pas mis la caméra. Mais c'est un bureau en L. Donc j'ai sur ma gauche le PC portable qui envoie l'image sur l'écran en face de moi. C'est un petit écran incurvé Samsung 24 pouces. C'est pas un écran des plus chers, mais il est vraiment pas dégueulasse en qualité. Et sur la droite, il me restait une télé, une vieille télé que j'utilisais pas, 80 cm, prise HDMI. Bah, je l'ai mis là. Je l'ai mis là et avec un USB type C. Ah, ça va être compliqué là. Je vais faire de la merde. Là, il y a tourelle, travail. Je te regarde. Qu'est-ce que... Attends, merde, attends, je suis en train de me concentrer sur le jeu, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Je crois que je devrais faire une coupure dans la vidéo pour savoir ce que j'étais en train de dire. Bah, je vais faire ma coupure, je reviens. A few moments later. Ok, merci le record, je parlais de mon setup. Donc, en gros, en plus de ça, voilà, je pourrais rajouter un PC fixe en dessous, en fait, ça gênerait pas. Donc, je pourrais avoir une jonction, une espèce de câble de jonction que je peux mettre. Ou même n'importe quoi que je pourrais mettre en dessous avec un bureau, un PC fixe à mes pieds. Et c'est un projet. Bah, en fait, si j'ai. Si. Avec le boulot que j'aurai sûrement cet été. Alors, en tout cas, j'espère. Parce qu'avec la situation actuelle, c'est peut-être un peu compliqué. On verra bien. Ça, on verra. Faut pas s'inquiéter pour ça. On verra. Et donc, si j'ai ça, je m'achète un PC fixe que je rajouterai en composition. Je le rajouterai avec. Et ça fera un petit setup sympa de ce côté-là. Et de l'autre côté.
Derrière moi, je me suis installé une table avec dessus une autre télé parce que j'ai récupéré, j'ai réinstallé en fait plusieurs télés chez moi. Aïe. Donc en gros, j'ai refait l'installation informatique chez moi grâce au boulot que j'avais et grâce au salaire, grâce au loyer que je payais pas. Donc j'en ai profité en fait. Je rembourse, on va dire. Et ça m'a permis de refaire une partie de l'installation, de récupérer du matos et des cadeaux, des trucs, voilà. Un bordel quoi. Donc j'ai une autre télé derrière avec une Xbox dessus. Donc... Après, ce sont pas des. Quand je parle de télé, c'est une Technicolor et une Walkman. Donc c'est pas la marque, la marque ultra. Qui coûte une ultra blinde, on va dire. C'est une bonne marque, ce sont deux bonnes marques. Mais c'est pas la télé à 8000 balles quoi. Mais ce sont deux bonnes télés. Avec donc la Xbox One dessus. Parce que j'ai pas de PS4, même la Xbox One je l'utilise que comme lecteur Blu-ray, je l'utilise pas en console, moi je joueur PC et niette pour le reste. Parce que les temps de chargement des consoles déjà ça me gonfle. Et j'ai pas 8000 ans pour faire une installation. Déjà que la dernière mise à jour que j'ai fait sur la Xbox, je l'ai fait à 18 mégas par seconde, c'est ma meilleure connexion que je peux avoir quand je suis pas chez moi. Ça m'a pris 4 heures. Alors que c'était une mise à jour de 3 gigas. Merci. Mais bon, bon, passons. Et avec une jolie barre de son qu'on m'a offert d'ailleurs, un joli cadeau. Un truc que je regrette absolument pas. Par contre, il y a un truc qui est sympa en travaillant en saisonnier et en étant logé gratos dans la famille, c'est qu'il n'y a pas de loyer. Ça aide, c'est aussi pour ça que je me permets de faire des cadeaux de temps en temps. Là, j'ai offert, il n'y a pas longtemps, je me suis fait vraiment plaisir. Avec une télé 4K 120 cm, reconditionnée bien sûr. Après, j'achète pas du neuf, faut pas déconner, je vais pas acheter du neuf, ça sert à rien. D'ailleurs, si jamais vous voulez faire comme moi, faire des bonnes occasions là-dessus, Back Market est très bien. Surtout que je crois qu'il maintient les livraisons maintenant. Vous avez du matos qui est pas excessivement cher, donc si vous voulez renouveler du matos, vous pouvez avoir de très bons matos. Le PC sur lequel je tourne, si vous voulez l'acheter neuf, il coûte 2000 euros. Back Market, 900 euros. Et comme neuf, vraiment comme neuf. Bon, bref, où est-ce que j'en étais avec mon hunter moi? On va aller voir si on peut monter un point de contrôle dans Dantonist. Grimper sur la plateforme. Ouais. Appuyez sur le bouton. Ok, je crois que je vois où c'est. Je dirais que c'est par ici. Si je suis pas trop con, je dirais que c'est par là. Puisqu'il faut partir donc à l'ouest du dragon rouge. Et bon, s'il faut attendre la nuit, je ferai une pause, j'irai grignoter un truc parce que j'ai la dalle. Faut monter sur la plateforme. Bah, il va 2 jours pour rédiscuter. Et on doit allumer les générateurs. Et par contre, il va falloir faire attention à un truc, c'est qu'il faut allumer les générateurs dans l'ordre. Ça, c'est très important parce que les phases d'Enter impliquent souvent un ordre obscur. Non, mais il faut que j'arrête de suivre le GPS comme un débilus, moi, par contre. Donc la plateforme elle est là-bas. Et un des premiers générateurs allumés est ici. Et ça, faites-y très attention aux pégus qui se baladent sur les zones parce qu'ils peuvent vous poser des problèmes. C'était sur le Angel Hunter quand j'ai essayé de le refaire la dernière fois. J'ai eu 2-3 points de contrôle, 2-3 points de contrôle sur place, quelques exécutions d'otages et pas mal de choses. Ça m'a réinitialisé la zone. J'ai dû tout refaire. Et comme je connais pas par cœur les emplacements des restaurants pour ce Hunter, je crois que c'est l'Angel hein, avec les restos, et ben c'était loupé. Donc là, faut monter là-haut. Fallait là-haut. Non? Faut monter? Peut-être? Non? Pas ça là? Qu'est-ce que vous dites? Oui, mais je veux monter. Merde, c'est pas où qu'on monte. Je suis perdu. Ça y est, je suis paumé. Oui, il y a un van. Donc, on est en haut. Oui, il n'y a que cette plateforme, donc ça devrait être celle-là. Capture d'écran obligatoire. Magie! Le tour du magicien. Hop là.
Combien de boutons? C'est ici les boutons? C'est pas ici. Je suis perdu. Putain, Safari sur l'iPhone, il merde de plus en plus, c'est une catastrophe. Ah mais non, c'est l'autre plateforme. Mais il y a deux... Non mais, au secours. Il y a deux plateformes. Il y a deux plateformes, fallait bien que je prenne la mauvaise, hein, c'est obligatoire. C'est bébé. Je me perds toujours. Voilà, bouton. Eh ben oui, ben il faut bien attendre la nuit. Bon. Bon, bon, il faudra que je revienne ici. Il va falloir que je revienne ici, mais je vais pas pouvoir aller à New York, donc quel hunter je pourrais faire avec vous? On va faire le... Ben, on va retenter le Angel. Sachant que le premier point est ici. Voilà, il est ici. Donc en gros, pour le Angel, il faut récupérer 6 yeux de lion. Une fois qu'on a les 6 yeux de lion, on va aligner 6 statues de lion. Donc il faut juste se rapprocher, interagir avec. Si je devais expliquer ça ben, par le scénario, ça remet les yeux dedans. Et ça nous envoie vers un point. Quand on arrive à ce point, il y a le hunter qui spawn. Va expliquer ça dans le scénario en fait, dans l'idée. Dans l'idée, comment un mec peut avoir l'idée de poser, en fait de trafiquer 6 statues, de planquer les yeux dans des statues dans 6 restaurants. Quand tu poses les yeux sur les statues, ça les active. Bon, ça c'est faisable, hein, quand on voit les choses sur Trésor, tout ça, on va dire que c'est faisable. Mais le reste est pas logique en fait. Le Hunter, d'où il sort? Qu'est-ce que c'est Hunter? D'où ça vient? Ça n'a pas encore été expliqué dans le scénario, il me tarde qu'il l'explique par contre. Vraiment. Et ces mobs qui sont tellement faibles. Mais reviens, saleté! Et arrête de bouger, saloperie! Voilà. Ah oui, je n'irai pas autre chose, ils sont teubés les machins. Premier restaurant, il doit être là-bas. Non, mais le GPS, t'as fumé quoi, le GPS? Enfin, il est pire que moi, le machin. Je veux bien, fin du monde, je veux bien qu'il y ait... Voilà, mais pourquoi il fait passer par un chemin? C'est un GPS, ça s'en fout, normalement. Enfin, il te fait passer au plus court, là, il te fait passer au plus long, celui-là. Ah oui, et j'ai activé le trait parce que je me perds. Je me perds un peu trop. Oh non, juste vous, barrez-vous. Je vais sauter la petite voiture pour le plaisir. Barrez-vous, barrez-vous. Non, barrez-vous, non, barrez-vous. Assistance médicale immédiate nécessaire. Tenez, discutez avec ça. Démerdez-vous, discutez avec ça. Donc là, vous pouvez rentrer par deux. Je vous montrerai la face du resto par là-bas, bien sûr, si jamais vous ne connaissez pas. Voilà, donc le resto, il est dans cette rue. On le voit, bah, de toute façon, c'est le point. Vous avez vu où j'ai marqué le point. Il ressemble à ça, c'est un cobiz. Et dans le cobiz, bonjour la clé. Enfin, bonjour l'œil. Le nœud. Un nœud de lion. Enfin, parce que oui, il n'y a qu'un objet qui drop, donc c'est un œil. Un nœud. Enfin, normalement, oui. Si je devais expliquer avec la traduction, je dirais qu'il y en a deux. Ensuite, Pennsylvania. Ok, New Venice. Go on, New Venice. New Venice, c'est ici. Donc, j'ai pas fait la track. Je vais être clair, la track est sympa. Mais j'en ai rien à péter, j'ai le temps. Je préfère faire les hunters et faire les exotiques avant, même si c'est excessivement chiant. Et après, faire la track. Parce que la. Pardon. Parce que les phases de la track, en fait, je les connais un peu par cœur. Ce point de contrôle, je les ai fermés en boucle pendant un moment. Oh, et merde. Je vais laisser un petit cadeau. Ennemi multiple en approche. On explose ce cadre. Ouais, c'est fait. C'était peut-être une grosse erreur de ma part de le faire parce qu'il y a le timing, etc. Non mais arrêtez de tirer sur les mecs s'il vous plaît, je vais pas m'en sortir là. Et là il fait nuit.
Ce troll, le jeu qui me troll, j'y crois pas. On se casse. Et là, quand je finis la vidéo, que je vais aller me coucher, ce sera sûrement pas maintenant, je drop le holster exotique. Parce que ce holster, il me plaît beaucoup. Ouais, là, je peux pas être plus clair que ça, c'est le holster m'intéresse vraiment. Parce qu'il va très bien avec les stuff, avec le stuff que je joue. Et ce serait une grosse amélioration de mon stuff habillé actuel. Parce que le stuff actuel, en fait, quand je perds la protection, j'inflige des dégâts de flamme à 5 mètres. Mais là, je crois que ça les augmente à 20 mètres. On peut fumer. Les pièces exotiques, d'ailleurs, pour l'instant, que je trouve les plus fumées, mais il y a en dégâts, c'est la Lady Death, même si elle a pas assez de balles dans le chargeur. Il manquerait, je sais pas, juste monter à 35 balles, ça suffirait. Ensuite, je repère les endroits. Je suis obligé de, là, je suis obligé de les avoir en mémoire, hein, parce que je me rappelle jamais. On est où? Riverside, West, ok. Les gars, merci. Oh, on peut tourner la map. Merde, je savais pas ça. C'est où ça? C'est où? Station de supply. La station, elle est où la station? Ah oui, il faut aller dans la station service. Je vais peut-être pas me faire repérer. Donc ouais, ça sert à rien de la faire la station. Vous passez dedans, vous le droppez, c'est bon. Normalement, on peut mourir dans cette phase. Moi, je l'ai pas parce que invasion plus track, donc bon, s'en fout. Rusher dedans. Et d'ailleurs, pour rusher dedans, on va y aller en mode solide. Putain, j'ai eu peur, j'ai vu qu'il manquait un objet, j'ai cru que c'était lui. Ah, mais casse-toi, toi! Je suis pas en zone de combat. C'est bon? On peut changer de stuff? Merci. Est-ce que je... Ouais, je l'ai enregistré, c'est bon. Mais je suis dans une zone sûre, Taras. Taras m'a dit. Bon bah tant pis hein. Me dis pas que c'est parce que... Me dis pas qu'ils ont fait ça. Me dis pas qu'ils ont osé faire ça. Que je peux pas changer parce que je suis dans une zone envahie. Parce que là il y a pas de pinge autour. Oh si c'est ça c'est de la merde. Si c'est ça c'est vraiment de la merde. Mais bon c'est pas grave. Parce que là c'est... Moi je les fais pas les invasions en fait. Depuis le début je ne les fais pas. Parce que ça m'intéresse pas en fait. Y a pas d'intérêt. Donc bah là on va rusher. On va... Attirer la diversion. Bonjour la diversion. Comme ça, si jamais je meurs comme une merde, j'ai les mecs qui arrivent, surtout. Renfort en approche. Occupe-les. Occupe ce truc d'abord. Ma tourelle les a occupés, on est bon. Mais on se casse. Donc on est sur la station service de Riverside. Du côté de la rivière. Ah, ça va être possible de me TP je crois. Donc maintenant qu'on a fait la station service de Riverside, il faut aller dans l'Admiral Burger qui est de mémoire, enfin presque de mémoire, ici. Bon, bon, on avance peu peur. Il y a par contre un truc assez improbable hein, sur le PC, je sais pas ce qu'il a en ce moment. Mais quand je lance Google Chrome, enfin c'est peut-être pas mon PC, c'est peut-être Google Chrome qui merde, une mise à jour à la con. Il me bouffe 30% du Proco, sachant que mon Proco c'est un i7 2,6 GHz, 7ème génération je crois, ou 6ème, je sais plus. C'est pas un Proco dégueulasse quoi, c'est un bon Proco, c'est pas le meilleur non plus, mais il tient le coup. Je fais tourner des jeux récents, Division 2 c'est pas un jeu des plus anciens, c'est pas un petit jeu.
Après, je manque un peu de place sur le disque dur, mais sinon je pourrais faire tourner Arc aussi. Sans problème. Mais j'ai un autre PC qui sert à ça. En fait, j'ai deux PC. Ouais, j'ai craqué. Enfin, j'ai craqué, j'en avais un peu plus que deux à l'origine, mais j'ai craqué. Bon, après, j'en ai refilé la moitié déjà. Parce qu'à l'origine, moi, quand j'ai commencé en fait à me prendre goût au PC portable, j'ai eu le tout premier Dell donné par la région, parce que ouais, je suis dans le sud de la France, je suis dans l'ex-Languedoc-Roussillon, donc j'ai eu accès au premier PC de la région. C'était une telle daube. Mais après, je suis passé sur Mac. C'est avec lui que j'ai commencé la chaîne YouTube, mais au fur et à mesure que ça avançait, il y avait des morceaux en moins dedans. J'ai commencé avec tout à l'intérieur, puis après j'ai eu une couille avec OSX Yosemite qui a induit un problème de disque dur, de NAPSATA, c'est le câble qui relie le disque dur à la carte mère. Donc, et je voulais pas mettre 150 balles dedans à l'époque pour changer la NAPSATA. Donc ben, j'avais le disque dur à l'extérieur. Après j'ai eu un problème de batterie, donc j'avais plus de batterie. Et donc maintenant j'ai plus de batterie dedans. J'ai plus le clavier parce que j'ai des touches qui ne marchent plus à cause de l'humidité qu'il a pris. J'ai plus de disque dur à l'intérieur. En fait, j'ai tout dehors. C'est un bordel. Mais il marche, étonnamment, il marche encore. Donc cinquième et ok. Et maintenant, on va dans le Judiciary Square, mais on va pas aller tout de suite dans le Judiciary Square. On va voir si l'autre hunter est toujours d'actualité. Non mais je m'en fous du thé, qu'est-ce qu'il me chie ce con. Putain mais c'est un secours, ah mais un secours. Casse-toi avec tes pubs toi. C'est pas dans un hein. Hop. C'est Oui donc c'était ici. Merde c'était où il fallait que j'aille. Ah oui à l'ouest de Dragon Rouge, bon, on est à côté, donc on va y aller à pied. Enfin on va pas y aller à pied. Donc l'ouest de Dragon Rouge. Putain, faut que je retrouve par contre. Comment on va là? Putain, ces sites en fait, et les sites, genre jeuxvideo.com sont très bien parce qu'il y a des solutions, etc. J'ai des problèmes de pub avec ces sites, c'est une horreur. Donc nord, est, ouest. Allez, on y va. On appuie sur le bouton et là il me faut l'ordre. Par contre, Apple, ils ont fait une mise à jour de merde. Il faudra que je trouve comment le désactiver. J'ai pas cherché encore. C'est en gros, cette mise à jour, il y a la lecture automatique des vidéos. Mais c'est de la merde, ça. Sincèrement, c'est de la merde. J'aime beaucoup des motivateurs comme site d'actu, on va dire. Et à chaque fois, sur chacun de leurs articles, il y a une petite vidéo. Et elle se lance automatiquement, ça me fait péter un plomb. Faudra que je trouve comment le désactiver. Ça doit être tout con, hein, mais bon. J'ai eu la flemme jusqu'à présent, mais là, je vais devoir me le faire. Je vais devoir le faire. Ouais, je cherche à consolider mon pouvoir, débilus. Oui, j'écoute là. Un truc qui gueule derrière. Donc, on appuie sur le bouton. Sur le bouton. Premier générateur. Donc, je l'avais repéré déjà. C'est lui. Les générateurs sont les trucs orange. Ne les faites surtout pas dans le désordre. Parce que là, si on passe à côté, déjà, il s'allume pas. Donc, très bien. Donc, là, il faut aller faire celui qui clignote. Ah, il y a peut-être un sens. Il y a peut-être le sens clignotant. Voyons si ça clignote derrière. Je regarde si ça clignote en fait pour voir s'il n'y a pas un générateur qui s'allume ou un truc. Non, donc ensuite le deuxième générateur. Ça doit être lui. Faut que je le repère. Faut juste que je le repère en fait, que je me repère. Le plus difficile pour moi c'est de me repérer parce que j'ai absolument aucun sens de l'orientation, c'est catastrophique. C'est devant moi ou derrière moi? C'est là. Ah, le voilà. Je le voyais pas. Avec la lumière, je le voyais pas. C'est lui. Non mais. C'est qui m'agresse là? Je suis en train d'allumer des générateurs. Mais cassez-vous! Cassez-vous les débilus! Merci. Troisième générateur. Donc on va revenir.
On va revenir à côté de l'échafaudage orange qui est un peu plus loin. Ah non, qui est derrière moi en fait. Putain, heureusement, là je remercie Super Solus parce que leur truc il est bien foutu. Je l'avais pas trouvé jusqu'à présent, mais il est vraiment bien foutu leur site. Même si j'ai une petite source d'OP. Donc c'est celui qui est proche de ça là. Voilà, je dirais que c'est celui-là. Ensuite, c'est celui qui est derrière moi. Ensuite, c'est celui qui est. C'est pas celui-là. Je crois pas que ce soit celui-là. Est-ce qu'il y en a d'autres par là? Oui, c'est celui qui est là-bas, à côté des tuyaux. Donc on avait celui dans la flotte, celui à côté de la flotte, et on revient par ici. Et ensuite, on revient derrière nous. Et le sixième générateur est derrière. Donc là, on a allumé les 6. On a là, allumé 5. Donc, récap, 1, 1, ensuite le deuxième, il est, je sais plus lequel c'est, mais il est par là, il est au bord, il est derrière moi, 2, 3, là-bas, 4, 5, c'est sûrement viseur à chaque fois, et le sixième, il clignote, ouais, il clignote, hein. Ça clignote sec. Après, bah, vu les temps, je peux quand même vous parler de quelques séries qui sont très sympas à voir. Oh merde, oui, pardon. Oui, bah, j'ai failli me faire voir. Bah, je vais me concentrer, je reviens. Aïe. Oh, ça va pas faire du bien ça. oui! Oui! Bah, là, j'ai peut-être un point de spawn à côté, on va voir si ça marche. Le point de spawn est vraiment proche, donc il est peut-être pas mort le machin. On va voir. Sinon, bah, je dois refaire l'étape, hein. Oh, c'est pas grave. À l'ouest, donc ouais, ouest par là, parce qu'il y a les merde, c'était quoi que j'avais fait avant les premiers. Ouais, de toute façon, on refera les étapes. Hein. Je vous le mettrai là, dans l'extrait. Premières étapes ici, deuxième étape ici. Regardez bien dans la description comment ça se passe. Ok, donc là, il est plus là. Je crois pas qu'il soit là. De toute façon, on va voir. On va se rapprocher un petit peu et on verra bien. C'est pas difficile à voir si le hunter est à spawn ou pas. Déjà, vous vous faites poutrer et ensuite il y a des. Toute l'interface est brouillée, dégueulasse. Ouais, mais il est pas là. Donc, les premières clés c'était ouf. Parce qu'il faut récupérer les deux clés. Il y en a une sous la Maison Blanche, je crois. Et à côté du siège de l'administration spatiale. Donc, on reprend. Siège de l'administration spatiale en 1. Pas le musée de l'air et de l'espace. Pas le Jefferson Plaza. Ici. Je l'ai en bleu, ça aurait dû m'aider. Ensuite, faut aller au sud de la Maison Blanche. Non, attends, c'est pas au sud de la Maison Blanche. Si? Non, peut-être? Ah oui, il faut juste activer l'écran tactile qui est par là. Ah, ta gueule, toi. Ah, la ferme, Maurice. Non, je t'aime bien, Manny Ortega, hein, t'es gentil, mais bon, on la ferme quand même. Donc, à l'est, c'est là-dedans. C'est la porte. On se fait aveugler par Maurice. Dégage, Maurice, non? On appuie sur le bignou. Ensuite, on revient au dragon rouge. J'ai rien loupé. Ok, de nuit. Par contre, ça se fait de nuit. On l'a vu, ça se fait de nuit. Il y a la preuve. Il y a la preuve en bleu. Ah, je filme les preuves. Je filme les fails. Je filme tout. Tout, tout, tout. Vous serez tout sûr. Et complétez les paroles. Mais pas en commentaire, s'il vous plaît. C'est du Pierre Perret, au cas où. Et donc on va à l'ouest. Ces idéogrammes, ils sont terribles, ils sont terribles à comprendre. Est-ce que je peux éviter les pégus? Voilà, je me suis fait avoir, vraiment je me suis fait avoir quand même bleu là, je pouvais pas faire pire je crois. Donc on va le refaire. Ah, dégage. Et on va voir si j'arrive de... Non, cassez-vous, cassez-vous. Parlez avec ma tourelle. Parlez avec lui divine. Elle est gentille, vous verrez. Ah ben elle a fini. Bravo lui divine.
Tu fais le taf. Donc, les bignous. La patrouille, restez par là, s'il vous plaît. Les bignous, les bitons, le biton. Le bouton, voilà, ça c'est fait. Ensuite, on a dit. 1. Dans le trou. Voilà, il clignote. Ensuite, le 2 a clignoté aussi, je l'ai vu maintenant. Par contre, ce que j'avais pas fait attention, c'est que bah, au dernier, bah, y a le hunter. Elle a fourculé. Hein. Oh non, mais cassez-vous, vous. Je m'en fous de vous. 2. Vous vouliez pas rester, en fait. Vous auriez dû rester là. Rester en vie, ça aurait été bien. Vous m'auriez aidé, vous seriez mort comme des merdes. Lui avec ses flèches, par contre, je vais le laisser. 3. Bon, à part s'il me casse les couilles, mais quand il va me casser les couilles, je vais être obligé de le buter. 4. 5. Ces phases-là, en fait, elles sont simples, mais il y a des hunters, les phases sont excessivement chères. Le Angel Hunter qui one-shot est très difficile pour ça, parce que la phase est très longue. Elle est très, 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 très longue. Très, 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 très longue. Donc là, on va essayer de le jouer stratégique. Attention, je fais stratégique fort. Ah oui, il faut pas que j'aille par là parce qu'il spawn là-haut. Où est-ce que je vais pouvoir me mettre à l'abri? Il n'y a aucun abri, c'est l'enfer. Ah, même le drone il fait hyper mal. Le drone fait super mal. Ah, oh, putain, le drone fait très très mal. Donc je vais. Je peux pas passer sur l'impulsion. Je peux pas buter le drone parce que je suis trop mal placé. Je sais pas comment je vais le buter celui-là. Ah, ou alors faut que j'y aille à la grenade de libre. Bon, on va faire l'essai. On va... De toute façon, on a 2 minutes. On va le refaire. Donc, on a dit siège de l'administration spatiale. Comme ça, vous connaîtrez l'étape. Ah, l'étape, vous allez la connaître par cœur avec moi. Parce qu'il y a une étape. Et demie. Après, ça consiste à pas mourir. Avec moi, c'est pas gagné. Et les vidéos seront plus... Ouais, 28 minutes de vidéo, ça va, on a le temps. L'affaire Maurice. Ouais, ça va. Aussi, une autre explication scénario. Ouh, je vais passer mon coup de gueule. Comment vous expliquer que Manny Ortega nous indique pour les primes à New York? Comment vous expliquer qu'il sait, oui, les primes, votre cible est pas loin de vous, agent. Comment il sait? Il est à Washington. Comment il sait? Ouais, vraie question, hein. Vraie, vraie question. Bon, après, il y a aussi un truc pour les hunters, c'est que c'est beaucoup plus facile à 2, 3 ou 4. Tout seul, c'est hardcore. Vraiment. Parce que là, j'ai pas les effets, j'ai pas de planque. C'est ça qui me pose problème. Les hunters qui me posent problème, c'est ceux où je peux pas me planquer correctement. Le Angel, il n'y a aucune planque. Ceux que j'ai fait dans le dernier épisode qui n'étaient pas les bons en fait, bah, il y avait zéro planque avant, donc c'était un peu galère. Mais j'ai réussi à trouver un truc, je sais, bah, avec le. J'y suis allé avec ça. Là, le problème, c'est que j'ai rien pour me débarrasser de ce putain de drone. Il est un peu trop rapide pour moi et j'ai pas. Ouais, je sais pas. Oh non, ça. Et il va faire jour. Qu'il fasse pas jour avant. De toute façon, s'il fait jour, on arrête la vidéo. Là, vous avez les étapes. Hein, vous avez 3 fois même. J'espère en tout cas que ça aura pu vous aider. Puisque mon but, c'est juste d'aider. Hein. Après, si je peux vous occuper, vous faire perdre, on va dire, une demi-heure, c'est pas mal. Et merde. Bon, mais continuez les yeux. Donc, j'en étais auquel? Merde, j'en étais où? Est-ce que je peux les voir dans l'inventaire? Matériaux? Bien sûr que non, sinon ce serait trop simple. Ah, quel enfer! Oh putain, j'ai fait des cales.
Je m'en étais arrêté, je crois, à celui-ci. Ça, les hunters qu'il faut faire que de nuit, c'est hyper short sur le timing. Vous avez vu, j'ai attendu 20 minutes, une demi-heure pour la journée et 10 minutes pour la nuit. C'est un peu compliqué. Donc, on a fait celui-ci. On a fait. Je suis en train de revoir mon mémo. Hashtag super soluce, on va dire. Voilà, le triangle. Ok, on doit aller sur le Noodle Bar qui est sur le Judiciary Square. C'est où? East Mall, South West, Federal Triangle, Downtown East, Judiciary Square. Ok, donc il est le point de repère le plus proche, c'est ça. Et le point de TP le plus proche? Non, le point de TP le plus proche, c'est là. C'est elle. Ne vous téléportez surtout pas dans la DZ. Parce qu'au changement d'instance, tout est réduit à zéro. Là pour ce Hunter, j'ai juste besoin du mémo pour les restos parce que c'est l'enfer pour les trouver. Vraiment, si tu les as pas en tête, c'est pas la peine. Surtout qu'il y a beaucoup de cobbies. J'en ai fait un là, il y en a encore un ici. Après, c'est aussi les États-Unis, donc ça peut se justifier très facilement, qu'il y ait 12 000 restaurants sur place. Et là, ça commence à faire un peu trop longtemps que je joue. Mon jeu est en train de me le dire. Eh oui. Puisque Division ne supporte plus d'être activé trop longtemps sur mon PC. Vous allez savoir, les caprices Windows 10. Il y en a tellement. De temps en temps aussi, mon PC ne veut plus s'éteindre. C'est un autre de ses caprices. C'est rien, c'est habituel. Ah ben comme ça on va rentabiliser, on va dire que je vous montre aussi une solution pour attendre la nuit. Que faire en attendant la nuit? Quel hunter faire? Après aussi, un truc qui est plus simple avec ces hunters là, c'est qu'il y en a peu qui demandent d'attendre à la nuit. Ah merde, faut que je parle. Il n'y en a que un ou deux qui vous demanderont d'attendre obligatoirement la nuit. Il y a le flag hunter qui demande d'attendre à la nuit et le... Et ben celui que je viens d'essayer de faire là. Alors les biatchs de l'église, non merci. C'est bon, ça se calme un peu le lag là. Donc maintenant on cherche un noodle bar qui est proche d'une espèce d'église. Ce n'est pas le point d'eau en fait que j'ai marqué qui est par ici. C'est un peu plus haut. Ouais, c''est plus haut. Oula, oulala, oula ma connexion elle aime pas. C'est plus haut ou c'est plus bas? Merde, je sais plus, je suis perdu, encore. Où est ce point de flotte? Il est où? Ah, je suis pas dans la bonne rue, d'accord. Merci à la prime. Ah, je sais, sinon vous avez peut-être vu les hunters, mais bon, moi je sais de les mettre, j'essaie de les partager. Et comme vous êtes quelques-uns à regarder ces vidéos, ben si ça vous fait plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à jeter quand même un coup d'œil aux autres vidéos parce qu'il y a d'autres choses. Il y a d'autres jeux qui sont très sympas. Il y a un mini-jeu qui est vraiment sympathique, c'est Spellcaster University. Si vous cherchez un petit jeu qui fonctionne sans internet, qui est pas lourd, et 2 Go ça se joue. Un jeu solo en plus. Donc pour moi, c'est un gros avantage qu'un jeu soit solo. Donc j'essaie de retrouver mes repères. Spellcaster University, c'est un petit jeu sympa, c'est en gros c'est Harry Potter Simulator. Si on devait le résumer en gros gros. Attends, c'est quelle rue? Ouais, c'est celle-là. On va marquer. Non, c'est. Pourquoi tu me marques ça, débilus? Comme ça, j'ai la rue. Protégé par des ennemis à proximité. Et donc là, faut chercher un noodle bar. Ben, je le vois. L'espèce d'église, en fait, que je parlais, c'était ça. C'est le point de repère qui est à côté du Noodle Bar. Noodle Bar. Et il y a pareil un frigo qui est planqué quelque part. Le voilà. Le frigo. Un œil de lion, pareil. Comme ça, j'ai plein de yeux. Je me trimballe avec des yeux dans la poche. Et je crois que je les ai tous. Normalement, j'ai fait. Ah, il me manque le Cobiz qui est dans le Constitution Hall.
Heureusement que j'ai mémoire. Et je me rappelle jamais. Voilà, Constitution Hall. Et le Cobiz, il est ici. Voilà, ça c'est exactement la map que j'ai eue la dernière fois. Et là, j'ai intérêt à courir. Il faudra surtout pas que je m'arrête pour faire ces 3 points. Parce que sinon, je suis niqué. Parce que ça sera ma 0. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est très chiant. Mais bon, heureusement, il s'éloigne pas trop. Et si je le fais discret, ça passe. Mais le problème, c'est que je crois qu'il y a une statue qui est dans leur tour. Par contre, le seul truc qui est bien avec les tracks, c'est que quand la zone est envahie, normalement, on peut pas se TP sur sur les missions. Mais là, on peut. C'est même pratique. Des civils ont besoin d'aide. Bon, on se taille. Quelle heure il est? Putain, 2h30. Oh, j'ai pas fini, moi. Après ça, on s'arrête, par contre. Parce que 2h30, j'ai envie de me coucher, moi. J'ai pas envie de me coucher à 6h du mat, hein, ce matin. Puisque oui, ça fait à peu près 2-3 jours que je me couche vers 6h du mat. Donc là, j'en ai un peu marre. Et le Hunter, après, il spawn à ma droite. Oh, le compte. Ouais, il faut que je laisse le contrôle du territoire. Il y a un brasier, je crois, juste là. Ouais, c'est là. Et on a le resto qui est juste à côté. Après, je sais pas s'il y a un ordre réellement pour ça. Moi, je l'ai fait dans l'ordre qui m'a été indiqué. Sur tous les sites, en fait. Tous les sites que vous allez trouver vont indiquer cet ordre-là. Mais moi, hein, dans ma première vidéo que j'ai fait dessus, où je suis mort comme une merde. Donc j'ai tous les yeux. Parfait. Détection d'un site protégé par des ennemis. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me TP ici pour éviter d'alerter tout l'univers. Et on va se diriger vers ce coffre des parias. Voilà, donc là c'est un envahi et je peux me TP quand même, c'est pratique la traque. Ah oui, non, je le fais pas. Siège du DCE, je l'ai fermé je sais pas combien de fois pour obtenir l'inflexible au début. Là j'en ai plus rien à carrer. Sur même l'inflexible. L'inflexible, comme le P90, a perdu tout son attrait. Il était très bien avec le tir binaire, il pouvait faire énormément de dégâts. Mais c'est injouable. C'est injouable parce que Division, en fait, quand on est en solo, va demander du réflexe, va demander de la rapidité. Déjà que j'en ai pas énormément, donc voilà, un peu compliqué. Mais si tu joues en plus un truc qui a un tir binaire et qu'il faut tirer une cartouche sur le mec, tirer à côté, tirer une cartouche sur le mec, tirer à côté, etc. en boucle, ça devient compliqué, quoi. Ça devient très compliqué. Barrez-vous. Barrez-vous ou vous allez parler avec mon lanceur chimique. Ouais, c'est pas crédible. Et donc maintenant pour le Angel, je crois. Je sais plus. Site protégé par des Il ennemis faut à aller voir la proximité. caisse. Pas du côté de la caisse, il faut aller de l'autre côté. Oh mais cassez-vous les mecs. Voilà, donc la statue elle bouge et si vous regardez, elle se met dans un axe. Ok, on s'en fout, ça dégage. Mais cassez-vous. Après, je sais à peu près où est-ce qu'elles vont pointer d'office. Mais barre-toi, Pégu. Enfin, je crois. Ah merde, je suis planté de côté. Voilà, c'est exactement le problème que j'ai eu la dernière fois. Trop de pinges, quel enfer. Cassez-vous, cassez-vous. Je suis dans trois zones en même temps, mais quel enfer. Et ces drones qui vous pourchassent à l'autre bout de l'univers. Quelle saleté. Là par contre c'est vrai que ça peut être rentable d'avoir tous les pinges à côté. Parce que les pinges, bon enfin non, ceux-là non, c'est pas rentable. Parce qu'ils vont s'en prendre en priorité à vous. Et ce qui humainement est incompréhensible, parce que dans l'idée tu vois, tu prends les amis de. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis en fait, sur la base. Si tu te bases là-dessus, ça a aucun sens. En gros, t'as les chasseurs qui sont hors faction. Qui poutre les parias, qui poutre les hyènes, qui poutre tout le monde, et les parias s'en prennent au plus faible du lot. Enfin, oui, si, c'est logique aussi, mais bon, si tu sais que le mec il va te poutrer après, t'essayes de pas le laisser passer. Tu vas pas poutrer le seul qui est un peu plus fort que toi. Enfin, l'idée, tu t'associes avec lui,
tu le poutres, tu poutres le méchant, t'espères que le mec sera assez blessé pour le poutrer après. Hein, faut le jouer rentabilité, quoi. Faut se débarrasser des deux, pas que d'un, parce que si tu te débarrasses que d'un et c'est pas le plus fort il va te poutrer derrière. Ouais. Bon, scénario, parce que je m'investis peut-être un peu trop. Non, barrez-vous, cassez-vous. Enfin des vrais pinges, ouais, mais. Hein. Eh mais ils ont le temps. Moi je dois passer derrière. Aïe, mais c'est quoi cette mi. Aïe 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 aïe. Cette mi, je serai à 300k. Cette mi, je serai un tir de 9. À 300, ouais, c'est 300k la mi, je fais pas autant de dégâts. Bon après, c'est sûr, vu la taille de max, c'est normal. Mais quand t'as une. Quand t'as un de ces débiles qui est en face de moi. Fait les mêmes dégâts, ça fait un peu, ça fait un peu, voilà quoi, ça bloque. Et donc là, on est à la dernière étape. Enfin. Et après, moi, je m'arrêterai là parce que là, je commence à fatiguer, je commence à dérailler. Ça s'entend aux commentaires. De toute façon, si un jour vous voyez une de mes vidéos avec un commentaire qui part totalement en couille, cherchez pas plus loin. C'est que je tourne à une heure pas possible. Ah, allez-y, brûlez la ville, hein. Démerdez-vous. Démerdez-vous les mecs, diversion, je me casse. Et le voilà. Toi, bouge pas, te fais pas remarquer. Te fais pas remarquer. Te fais pas remarquer. Allez-y, les parias. Mais vous avez pas vu le hunter? Mais vous avez pas vu le hunter, bande de tarés? Mais au secours. Ils ont pas vu le hunter? Mais débile! Mais t'as pas vu qu'il y avait un putain de hunter? Mais là, et là, je vais le perdre. Il est où? Il est remarqueur à la con aux autres. Ah, bah là, ils les ont vus. Là, ils les ont vus. Un pourculé. Je ne. Hey, où était la ruche? Je veux voir la ruche. Non, je veux voir la ruche. Taras. Où est la ruche? Système rétabli. Ah, je m'en fous. Y'a pas de ruche? La ruche est. Que pour moi? D'accord. Bon, bah, on va arrêter là. On va arrêter le massacre. Hein. Parce que oui, one shot. En fait, là, c'est pas lui qui m'a one shot, c'est la ruche. Il m'a pas fait, de dégâts. La ruche, elle m'a fait 900 000 dégâts. Non, mais j'arrête là, moi, j'en ai marre. Je veux me détendre. Je veux pas perdre toute ma santé mentale. Je veux pas devenir fou. S'il vous plaît, laissez-moi en paix. Donc, les gens, en attendant, pour ma santé mentale, pour que je reste en à peu près bon état, va-t-on dire. Et pour continuer de publier des vidéos sur cette chaîne, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un commentaire, voire à vous abonner. Moi, je vais aller me détendre un petit peu. Hein, ça va me faire du bien, ça va me calmer un petit peu. Voilà. Et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Au revoir les gens.